Ma copine! Tu as quoi la nuit là? Ça ne va pas d'être. Tu as gommé? Hein? Mais, toi comme ça la gommé peut me faire quoi? Ma voisine de Fatima au marché là. Tu sais que nous on file des allocos ensemble non? Oui. Mais pour elle là ça marche, pour moi là ça marche pas. Ça marche même pas. On est j'ai chié sur ça. Ça colle déjà, tu es assise comme ça là. Oh. Tu as le quoi hein? Tu n'es pas au courant du grand féticheur là. Grand, il faut tout le temps t'affairer quoi. Affaire. Regarde, il y a un grand féticheur là. Tu vois le trou qui est là, le grand trou là. Derrière là. Voilà, vers là-bas. Oh, il est comme ça. Je te parle de quelque chose. Ta copine, mais tu sais, tu n'es pas bien. Ah. Tu es mauvaise. Moi, je sais que de la manière le majeur de Fatima la marche là. Je sais qu'il y a quelque chose. Peut-être quand même elle est allée là-bas. Elle est allée là-bas. Hey, elle est allée là-bas. Mais je t'ai fait quoi? En fait, je ne comprends pas, mais je t'ai fait quoi? Mais je t'informe, non? Va aller là-bas. Il est bien. Dès demain matin, j'irai. Voilà, va aller. Demain matin seulement, j'irai. Bon, j'aurais voulu t'accompagner, mais lui là, ce qui m'a fait la fois passée là, il a failli gâter mon foyer. Sa bouche ne porte pas calée, il a tout détalé comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce que moi je faisais là, j'ai tout dit à mon mari. Sinon, je pouvais t'accompagner, mais là, je ne peux pas. Non, il n'y a pas de problème. Merci pour l'information. Dès demain matin seulement, 7h. Faut même pas. 7h, 5h du matin, tu es là-bas, devant sa porte. Il y a du monde. Tu penses que c'est du jeu, non? Mais. 3h30. Hey, ma copine, je te laisse, je vais aller faire la cuisine, mais faut m'affairer d'elle. Je vais te faut m'affairer. Bye bye. Bye bye, merci, cop. Voilà. Jean, elle va ramasser tous les clients du marché de c'est jamais de la vie. Je m'en vais voir le grand féticheur. Eh ben, elle saute un gars là. Quand tu vois. Oui. Et puis, j'ai remarqué. Non, mais ça ne peut pas être comme ça. Non, mon cœur saigne. Je m'en vais voir le grand féticheur. Je m'en vais voir le grand féticheur. Jamais de la vie. Non. Je ne peux pas. Je m'en vais voir le grand féticheur. Oui. Bonjour, grand féticheur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Grand féticheur, j'ai un problème. Chez moi, quand tu viens avec un problème, tu sors avec une solution. Raconte. Grand féticheur, je suis au marché. Je vends placali et puis à loco. Mais ma voisine va la même. Mais le problème est que tous les clients la partent là-bas. C'est elle qui ramasse le marché de tout. Je ne sais pas quoi dire. C'est elle qui ramasse tout. Je vois. Ta voisine ramasse tous les clients du marché. Tu n'arrives pas à vendre. Elle est vend. Vraiment. Elle a tous les clients. Edama. Edamungle ema zabalu. Akula pitro. Votre voisine est allée elle aussi voir un féticheur. Je savais. Et ce dernier, le féticheur en question, lui a remis testicule de coq, testicule de poulet. Et c'est ce testicule-là qui est au fond de sa sauce graine. Testicule? Poulet à testicule, non? Eh oui.
Mais comment je vais faire pour prendre ça dans la sauce là? C'est simple. Tu vas raconter à quelques personnes au marché et de bouche à l'oreille. Tout le monde apprendra la nouvelle de ce qui se passe dans la sauce de ta voisine. Les gens pourront faire justice. Ils vont essayer de verser la sauce. Ensuite, tu récupères le testicule. Quand tu vas récupérer le testicule, tu verras que tout ira bien pour toi. Pour reconnaître le testicule de coq, c'est pas compliqué. Attrape un coq. Quand tu vas l'attraper, il va essayer de crier. Il va essayer de chanter. Il aura peur, pensant que tu veux lui faire du mal. Caresse le coq. Caresse le coq jusqu'à sa partie intime. Quand tu vas arriver au niveau du testicule du coq, il va se calmer, il va se taire et il va faire des yeux d'amour. C'est en ce moment que tu vas retrouver le testicule du coq et tu vas connaître le testicule du coq. Aïe. C'est simple. Grand féticheur. Testicule. Aïe. Testicule du coq là. Vraiment. Aïe. Quand tu vas récupérer le testicule dans la sauce graine, tu dois le manger. Manger testicule. Moi. Aïe. Toi, tu manges que plus que ça. Quoi? Ah bon, hein? Toi, tu ne manges pas ce qui est plus que testicule de coq. Quoi? N'oublie pas que je suis le grand féticheur. Avant-hier, tu faisais quoi dans la chambre de Paul? Tu jouais pas avec ses testicules? C'est combien? Grand féticheur, c'est combien? La première somme que tu trouveras, tu me la donnes. Quoi? Testicule de coq, on dit de manger là, tu dis quoi? Avant, tu étais dans la chambre des garçons là, tu es en train de laper ces testicules, non? Ces testicules de coq là qui. Regardez-moi ça. Eh, Kamungle, Zabalou, Zabalou.